Bonjour à tous, ici Titi013. Aujourd'hui, vidéo coup de gueule. Oui, coup de gueule, parce que moi je trouve qu'il y a trop de gens qui se moquent des personnes. Et ça se fait pas. Je suis désolée, on est tous comme on est. Comme je dis, qu'on soit gros, maigre, belle, moche, handicapé, pas handicapé, nain, naine. Voilà quoi, au bout d'un moment, même les grandes personnes qui mesurent plus de 2 mètres aussi reçoivent des insultes. Mais ce que je veux dire, je trouve que ça se fait pas. Ça se fait pas parce qu'au bout d'un moment, pour moi, en fait, les personnes qui font ça, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, en fait, ils ont envie d'avoir notre vie. Ou ils ont que ça à faire, en fait. Il y en a où ils ont que ça à faire, de se moquer des autres. Mais ça se fait pas. Moi, je trouve que ça se fait pas du tout. Parce qu'au bout d'un moment, quand on voit que ça soit dans les jeux vidéo, que ça soit pas dans les jeux vidéo, parce que même à l'école, même moi quand j'étais au collège, hein, toutes les insultes moi que j'ai reçues, déjà moi-même, au bout d'un moment c'est saoulant quoi. Puis à l'école maintenant, un enfant il sait à peine marcher, il commence à dire à insulter les parents, il commence à dire à l'autre personne mais t'es moche, t'es pas belle, t'es grosse. Oh, il faut arrêter quoi. Ils entendent ça de qui? Des parents, donc eux ils répètent. Mais que ce soit les enfants, même les adultes, il y a même des adultes. De toute façon, de tout âge, on reçoit des moqueries, de tout âge. De moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, franchement. Je comprends pas pourquoi on devrait s'amuser à critiquer tout le monde. On est tous comme on est. Franchement. Moi, franchement, pour vous dire, là, en ce moment, je me trouve bien dans ma peau. Voilà. Donc, moi, je le dis, je me trouve bien dans ma peau. Et si les personnes me le critiquaient, bah, qu'ils viennent me le dire en face au lieu de le dire par derrière. Déjà ça, c'est mieux de le dire par devant que par derrière. Parce que par derrière, quand on y apprend par quelqu'un d'autre, franchement, c'est pas drôle et c'est pas bien. Hein? Donc, voilà. Après, j'ai des petits exemples comme quoi, un jour, mon père m'a expliqué qu'il y avait une personne qui se moquait d'un handicapé. Il faisait comme s'il marchait comme lui, en fait. Sauf que, bah, mon père lui a fait comprendre que calme-toi, parce que à cause de, si tu continues à faire ça, ça va t'arriver à toi. Et oui, le bon Dieu l'a puni, hein, comme on dit, le bon Dieu l'a puni, et bah, il est devenu handicapé lui-même. Donc, ça sert à rien de se moquer des gens, parce qu'en fait, bah, le bon Dieu est puni, et tu te retrouves handicapé aussi, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et voilà, quoi, je veux dire, pourquoi juger les personnes comme ça? Je veux dire, certes, il y en a qui comment dire, je sais plus comment parler tellement que ça m'énerve parce que au bout d'un moment il faut arrêter quoi ces moqueries là, il faut arrêter. Comme la il y a pas longtemps, donc ce matin, un ami qui me dit quoi, qui me dit que il a reçu beaucoup de moqueries, donc il sait pas quoi faire, il sait plus quoi faire, il en a marre. Ben oui, mais bon, comme je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Et je lui dis, même à moi, il y en a des gens qui me critiquent. Moi, je lui dis, ce qu'il faut faire, il faut les ignorer. Il faut les ignorer. Et après, je lui expliquais, bien sûr, c'est parce qu'ils sont jaloux, bien sûr, ça. Tout ça vient de la jalousie, en fait. Et au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi, je veux dire. Il y a tellement de choses, en fait, qui fait aussi pour que on reçoit des critiques, qu'on soit jaloux. Il y a plein de trucs qui fait tout pour qu'on soit comme ça. Mais c'est pas bon, parce que tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qui est télé-réalité, oui, télé-réalité, après, les pubs, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les mannequins, comment ils sont, il y a plein de trucs qui nous baratinent la tête, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et en fait, il y en a qui se croient supérieurs aux autres, en fait que non, parce que dans la télé-réalité, par exemple, vas-y, ils prennent que des personnes qui sont maigres, enfin, maigres. Oui, on va dire qu'ils sont maigres et bien foutus, quoi, par rapport à moi ou par rapport à d'autres personnes. Voilà, il n'y a jamais de personnes obèses dans ces émissions-là. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il y a même des obèses qui sont belles. Donc, il faut arrêter de juger les personnes comme ça, puis de nous mettre de côté, quoi. On est tous pareils, on est tous humains. On est tous humains. Donc, voilà, moi, je ne sais plus trop quoi dire de ça. Hein, donc maintenant, moi, ma vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est un gros coup de gueule, parce qu'au bout d'un moment, je sais que tout le monde est touché, donc au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Hein, et puis bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, donc c'était Titi013 et je vous dis ciao.